plat qui se mange sans sauce. Bon, alors pour changer les cils en bloc des bras arrière, bon, déjà évidemment la première chose, c'est d'avoir les cils en bloc neufs. Bon, alors, c'est bon, j'ai pu en trouver. Maintenant, je vais dégager la patte support flexible de frein. Bon, alors je prends une clé de 21, une clé de 19. J'enlève les boulons qui supportent le flexible. Voilà, alors évidemment, je mets tout de côté, hein. Il s'agit de rien perdre. Même si ça paraît pas bon comme ça à première vue. Alors je défreine les deux boulons clés de 14 qui tiennent la patte. Hop, un coup de clé de 14. Je récupère la patte. Alors, malgré toutes ces années, le cils en bloc de ce côté-là, on voit, même s'il est un peu avachi, hein, sans doute, parce qu'il a quand même pas mal de kilomètres, je pense, bah, celui-là, il tient bien. Si je retourne, que je regarde l'autre côté, par contre, ah bah, de l'autre côté, hop, bah, carrément, ça tourne. C'est-à-dire que là, le cils en bloc, malgré tout, dans une traction, avec un cils en bloc comme ça, ça marche quand même. Hein. Le caoutchouc est toujours là, donc il n'y a pas de jeu, ça peut aller, hein, c'est pas dramatique. Voilà, le fil en bloc est carrément en vrac. Bon, il va falloir que je dévisse ces gros écrous-là. Alors, ces gros écrous-là, une fois qu'ils sont montés sur la voiture, ils peuvent plus se desserrer parce que on leur a mis un clips. Voilà. C'est peut-être un petit peu rouillé, mais il va venir... En assistant, voilà le fameux ressort, le fameux clips. On voit bien ici, cette partie-là traverse tout, l'écrou et le moyeu, ce qui fait qu'effectivement, ça peut plus se desserrer. Du coup, deux bras, donc bah, en tout, ça fait 4 clips à retirer. Et voilà, un clip de plus. Alors maintenant, pour dévisser cet écrou là, bon, il existe une clé que je n'ai pas, hein, ça ne donnera personne, mais ça se vend, hein, en plus je l'ai vu sur internet. Bon, je pourrais prendre aussi un burin pas du tout affûté, le mettre ici, et taper d'un grand coup comme ça, et ça risque de marquer un peu l'écrou, mais ça se fait, et ça permet de dévisser et de revisser. Maintenant, j'ai remarqué que j'ai de la chance, évidemment que j'ai de la chance, puisque j'ai, comme d'habitude, ça c'est... bout de pare-choc de bagnole, mais alors je sais pas du tout lequel, j'en ai aucune idée. Si, ça y est, maintenant je me souviens, ce morceau de pare-choc là, en fin de compte, c'est un morceau de Citroën C5-2. Mais le diamètre qui est là correspondrait, c'est-à-dire que je pourrais me fabriquer une clé avec ça. Alors je vais voir si je peux le faire. Bon, alors ce bout de pare-choc là, bah, ça tombe bien, il se dévisse. Voilà, super, c'est ce qu'il me fallait. Alors comme d'habitude, hein, un très savant traçage. Bon, alors après ça, découpage. Et comme d'habitude, n'importe quoi comme bout de ferraille. Je me suis taillé deux petites dents qui vont pile poil dans l'écrou à créneau. Il va falloir que je les insère dans la clé que j'ai fabriquée. Alors les deux dents que j'ai fabriquées, bah, je les fixe sur un vieux bras, là j'ai vraiment un vieux bras tout rouillé, hein, parce que je veux pas abîmer l'autre. Je mets ça dans la clé, dans l'écrou, dans la clé. Dans ce sens-là. Voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à faire des points de soudure pour fixer ma clé.
Eh bien voilà, une fois juste pointé comme ça, je vais pouvoir fignoler les soudures tout autour. Comme d'hab, une fois la soudure effectuée, alors une fois soudé de la sorte, là on voit bien, je me suis fait deux créneaux là, je vais me débarrasser de cette partie là. Bon alors une fois cela fait, bah, il faut que j'arrive à souder cet écrou là, en plein milieu, ça me permettra de mettre une clé dedans et de le dévisser. Bon mais là c'est un peu rentré à l'intérieur, donc je vais remettre une épaisseur, je vais d'abord souder celui-là, et après je pourrai souder celui-ci. Maintenant je dois souder ce petit écrou ici, là sur la clé que je fabrique, mais au milieu et bien droit. Alors je mets ma clé entre deux tôles dans les tôles, j'ai trouvé des cales à peu près identiques. Voilà, déjà, en comme ça, je sais que je suis au milieu. Hein, une fois que j'aurai bien placé mes cales, voilà, comme ça, je suis au milieu. Bon, alors après, avec un réglet, bah, vu que je suis au milieu déjà dans ce sens-là, je me mets aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Et normalement, bah, là, je suis au milieu. Impeccable. Je vais pouvoir pointer, juste pointer pour fixer. Donc voilà, juste un petit point ici. Ce qui va me permettre maintenant de vérifier que mon écrou est bien droit par rapport à ma clé. Et du coup, je vais pouvoir finir de le souder. Bon, alors voilà, je me suis fabriqué une belle clé spéciale. Bon, alors une clé comme ça, ça vaut à peu près une 50aine d'euros. Hein, mais c'était bien pour vous montrer que bon, c'est pas trop compliqué à réaliser. Surtout quand on a les bouts de ferraille qui vont bien pour le faire. Hein, ça... Bon là j'ai un étau vachement costaud, donc allez, hop, la clé que j'ai fabriquée, j'enfonce bien à fond, une douille de 30, alors mon cliquet, hein, j'espère qu'il va être costaud parce que là, je vais y demander beaucoup. Ah oui, comme je vais exercer une très forte pression là, je risque, dans l'étau ça risque de glisser à ce niveau là, donc ce que je fais, bah, je rajoute une cale de bois ici, entre le bras et l'étau, voilà, ce qui fait que ça va coincer sur l'établi, là, et ça, le bras ne pourra pas descendre. Bon, ben c'est maintenant, voyons voir, je mets ça là-dedans. Ouh, ah ben c'est venu, wow, ben, je suis pas mécontent. Bon, c'est costaud quand même, hein, faut que je reprenne le tube. Avec un bon étau et une clé que j'ai fabriquée moi-même, bah ça s'est pas trop mal passé. Enfin, pour l'instant, j'en ai eu qu'un, j'ai pas eu les quatre. Bon, alors là, j'ai retourné le bras, hein, je l'ai calé comme d'habitude avec mon petit bout de bois ici, coincé dans l'étau, et je vais desserrer l'autre écrou. Alors, faut savoir que vu que celui-là a été desserré, normalement, ça devrait être voilà, beaucoup plus simple. Voilà, bon. Formidable. Alors ça, c'est mon bras arrière gauche et je dois reconnaître que, bon, desserrer ces gros écrous-là, ça me paraissait assez déjà compliqué à faire, mais apparemment, bon, j'ai réussi en fabriquant une clé moi-même. Formidable, hein, déjà, bon. Je vais donc dépouiller toute cette partie-là. Alors pour ça, maintenant, il faut que je retire, c'est le clips qui est là. L'axe. Je dévisse les écrous. Là. Là. Ah, mes paliers coincent un petit peu. Normal. Ça coincerait pas. Ça serait pas normal. Bon, alors, je vais réussir à sortir... Ah, alors, ça... Alors, ça, c'est le palier, mais il y a encore le morceau du cylindre bloc dedans.
Hein, donc on voit bien là le caoutchouc est là. Normalement, ça c'est solidaire de ce caoutchouc là. Hein, d'ailleurs, on voit bien, il reste du caoutchouc collé là. Donc c'est vrai que là, normalement, on peut considérer que le silent bloc est mort là, hein, franchement. Mais comme je vous dis, il y a sûrement des tractions qui roulent avec les silent blocs dans cet état là et ça se voit pas. Hein, alors évidemment, ça, si les deux sont morts à un moment donné, bon, ça va venir frotter le bras de ce côté là ou l'écrou de ce côté là et puis ça va faire du bruit. Et puis c'est vrai que ça va mettre peut-être le train arrière un peu en travers, mais sinon, tant qu'il y a du caoutchouc, on va dire, ça arrive à suivre, c'est des roues suiveuses, hein, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que ça c'est mort, hein, c'est naze, on voit bien. Là. Bon, le silent bloc est coincé là, bon, quelques coups de marteau sur les leviers, je pense. Ça bouge un peu, quoi. Ça doit être bien oxydé. Je pense. Hop, déjà, je peux dégager le réglage des hauteurs. Ah, ça y est, j'en ai un qui commence à bouger là. Et voilà, un des paliers. Alors, les rondelles, faut faire attention, elles ont des sens, puisque là, il y a une partie conique, la partie conique dans ce sens-là, là, et là, la partie plate. Un levier, l'autre bout avec son lac, il va falloir que je dégage de dedans d'ailleurs. Bon bah je m'amène sur mon bel étau qui est un peu plus costaud, voilà, bon bah je vais mettre cette pièce là juste comme ça, je mets l'écrou dessus là, pour être sûr de pas taper en tapant aplatir sur le filetage, je mets une cale de bois. Là, je suis déjà à ras, donc je vais retirer l'écrou, je vais le retirer complètement. Et ben voilà, là, c'est sorti, là. C'est bien sorti, pas mal. Bon, alors là, j'ai beaucoup trop de chance, je viens de trouver que j'avais un jet en bronze, là, ça c'est impeccable. Je le mets pile sur l'axe. Un jet en bronze, ça, l'avantage, c'est que normalement, ça ne peut pas abîmer la partie métallique sur laquelle on tape. Alors si vous avez trouvé que le démontage a été vraiment folklorique, pensez bien que leur montage le sera tout autant. Et maintenant la fête n'est pas terminée, parce qu'il faut encore que je démonte l'autre côté. Ah mais j'y pense. Là, qu'est-ce que je vois? De la rouille, de l'oxyde, partout, ici, sur toutes ces pièces. Bon... Allez, une fois mes pièces nettoyées, bah, je les remonte à peu près du comment elles étaient.
Bon, puis on voit bien, hein, de toute façon, une fois que c'est nettoyé, légèrement huilé certaines pièces, je dois reconnaître, c'est vrai qu'on peut dire que bah, tout ça, bah, voilà, ça se démonte bien. Par rapport à quand c'était tout oxydé, tout rouillé. Bon, allez, je fais la même opération avec le bras droit. Alors, ça veut dire que je le coince dans l'étau, comme d'habitude. Je mets ma petite cale de bois en dessous, là, pour appuyer. Je le serre bien fort dans l'étau. Hein, c'est bien fort. Donc, j'y glisse ma clé à griffe, la douille de 30. Prendre un autre tube un peu plus long, parce que là... Ça a été simple, comme d'habitude. Bon, allez, je libère le bras de son étau. Je le mets de l'autre côté. Comme d'habitude, j'y mets une cale en bois, là, juste en dessous, pour que, quand je vais forcer dessus, ça porte bien. Je le serre dans l'étau. Et je vais tout de suite essayer de desserrer les clous. Extérieur, oui, on peut dire comme ça. Ouh. Eh ben, ça se passe pas toujours bien, on dirait. Bon, je vais serrer ça un peu différemment pour pouvoir forcer, parce que là, j'avais pas assez de place. Alléluia! Maintenant, je démonte complètement bah, mes paliers. Parce que c'est débloqué. Les fameux clips. L'axe. Je vais dégager le réglage de hauteur. Bon, bien sûr, ça risque d'être un petit peu grippé, hein. Ben, ouais, ça. Ah, mais là, ça commence un petit peu à bouger. Ah, ça a bien bougé, hein. Allez, je retourne mon bras et je vais faire pareil de l'autre côté. Elle est pas mal sortie aussi. Bon, je mets deux tabourets, une boîte en carton. Je repositionne ça. Correctement. Roger en bronze. Bien avancé. Allez hop, dernier morceau de palier. Et voilà les derniers morceaux.
Bah, il y a de la rouille, pas de problème, hein, comme d'hab. Bon, allez, gratouillage, nettoyage de tout ça. Une fois les pièces nettoyées, huilées, allez, je remonte le mécanisme exactement comme il était. Le bras, la rondelle qui a un sens bien précis. Non, avant il y a ça. Donc la rondelle qui a un sens bien précis. Le silon bloc qui ne servira plus à rien, mais juste de cale. Et enfin, les clous au créneau. Le réglage des hauteurs. Bon allez, je redémonte tout ça, hein, parce que c'est pas tout ça, mais ces pièces-là, va falloir que je les prépare pour les peindre. Et puis surtout, changer les fameux silons blocs. Bon, alors là, on voit bien, hein, c'est préparé, ça se démonte vraiment tout seul, c'est trop facile. C'est sûr que ça change que quand ça était tout oxydé, hein. Bien, alors j'ai dû sortir le châssis de ma traction, le châssis arrière, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir changer mes silons blocs, donc il fallait que je présente mes paliers. Et qu'est-ce que j'ai vu au moment où j'ai voulu les refixer sur le châssis? Regardez bien, ça c'est les vis. Et aïe, on voit bien celle-là. Et bien en fin de compte, il y a un endroit où ça a dû s'oxyder. Et quand j'ai dévissé, et ben, il n'y a pas de doute, ça a arraché tout le filet. Ah, bravo! Ça veut dire que cette vis-là, poubelle, il faut que je la remplace. Bon, des vis de traction, ça, il n'y a pas de problème. J'en ai d'autres. Puis, de toute façon, même, il y a des vis modernes. Hein, j'ai plus qu'à la raccourcir, celle-là. Bon, c'est pas la même clé qui va dessus. Mais celle-là est très résistante. En effet, si on peut regarder à un endroit, on a la résistance dessus. Et franchement, ça, c'est du costaud. Hein. Non, c'est dans ce sens-là, voilà. Mais le problème, de toute façon, ça va être ici. Voilà, sur le morceau du châssis, on voit bien. Ah ben là, ouais, va falloir faire quelque chose. Hein. Là, le fitage, il est abîmé aussi. Alors, abîmé aussi, surtout de ce côté-là, hein, d'où vient le palier. Mais si on regarde de l'autre côté, ma foi, il reste encore du fitage. En plus, si je prends une vis, bon, que je la mets à celui qui n'est pas abîmé, bon ben... Elle se visse sans problème, hein, on voit bien. Par contre, si je vais là où c'est abîmé, ah bah, ça rentre pas, ça se visse pas. Ça veut dire qu'en fin de compte, il reste de l'acier qu'il faut que je refilte, déjà pour commencer. Surtout que si je prends un palier, une vis d'origine, et que je le remonte sur le châssis, on peut s'apercevoir que la vis même d'origine dépasse derrière. Donc il me suffira... Au cas où, si c'est pas assez costaud, de rajouter un écrou derrière, de le souder, et éventuellement même de mettre une vis un peu plus longue et plus résistante, moderne. Bon, c'est à moi de voir. Déjà, je vais voir s'il reste un peu de métal pour refaire le filetage. Sinon, évidemment, bah, changer tout le châssis. Bon, on va déjà voir si on peut le réparer. Bon, comme tout est abîmé du côté d'où part le boulon, hein, ce que je vais faire, je vais fileter en partant d'ici, parce qu'ici, on a vu que le filetage était encore bon de ce côté-là. Donc, de l'autre côté, l'acier est broyé, c'est pas la peine. Alors, j'ai mes trois tarots. Hein, je me suis fait une rallonge avec ce que je pouvais. Ben, c'est des trucs de petits cliquets. Alors, faut partir bien droit. Voilà, donc comme il y a le filetage, là, évidemment... Ça démarre bien. Voilà. Il faut que je fasse tout comme ça, avec les trois tarots, jusqu'à celui de finition, quoi. Alors voilà, je mets un demi-tour en avant, un quart de tour en arrière pour casser le copeau, et ainsi de suite. Alors là, je suis un peu forcé de tourner comme ça.
toujours revenir en arrière pour casser les copeaux. Bon, je retire le tarot de démarrage. Bon, je passe directement au tarot de finition. Bon, bah là, ça passe bien. Bon, ben voilà, le tarot de finition est passé de l'autre côté. Et je le retire. Voilà, donc maintenant on peut regarder. Bon, heureusement pour moi, il restait un peu d'acier, hein, quand même, pour faire du filetage. Malgré tout, on voit bien, bon, il y a eu quand même un petit arrachement, il manque un petit peu. Hein. Alors, au cas où, malgré tout, j'ai retrouvé un grand boulon clé de 16 comme cela d'origine. Résistance, c'est 10,9 kg. Waouh, mais c'est du costaud quand même. Hein. Donc, tout de suite, dans le filetage, ça prend. Donc, je pense qu'il y a assez de résistance, ça va tenir assez. Mais malgré tout, je vais quand même y souder un écrou derrière pour avoir plus de résistance. Ou alors, si on a un vieux châssis tout pourri, bon, et ben, il faut alors meuler les soudures qu'il y a ici. Après, on lui donne un coup de burin. Et on récupère les écroucages. Bon, pareil avec mon châssis. Je vais meuler les points de soudure. Alors, des deux côtés, hein, évidemment. Après un bon coup de burin, je vire l'écroucage qui est foiré. Alors on s'entend bien, hein, si jamais j'avais pas eu la chance d'avoir une pièce de rechange comme ça, j'aurais coupé la partie qui n'est plus bonne, j'aurais remis cette partie en place, et ici, voilà, j'aurais mis deux écrous comme je viens de mettre là, je les aurais pointés, soudés, et puis comme ça j'aurais eu un écroucage de refixé sur mon châssis. Donc là, les deux écrous, ça ne sera pas la solution que je vais utiliser, puisque j'ai une pièce d'origine. Alors cela explique bien pourquoi il est important de monter des boulons avec du gras, de la graisse. Parce que sinon, voyez, vos voitures, il va y avoir des coûts supplémentaires pour les réparer. Parce que ce boulon-là, je m'en étais même pas aperçu en le dévissant. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais vous remettre le passage où je le dévisse justement. Que de l'autre côté, je tire les derniers boulons. En sortant, en déposant les bras arrière, qu'il était dans cet état-là, hein, parce que là, franchement, il est dans un état lamentable. Et ça, il y aurait eu du gras, ça aurait été monté avec du gras, j'aurais peut-être pas eu cet arrachement de métal qui s'est produit. Bien, il ne me reste plus qu'à le repointer comme à l'origine. Bien, alors maintenant, je retourne mon châssis pour faire le point de l'autre côté. Je nettoie les soudures. Voilà, maintenant, je peux retirer le palier. Que j'avais mis provisoirement pour bien plaquer mon écroucage. Voilà. Et bien le châssis est réparé.